Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse avec la Turak Survival. Il est 14h13 et nous sommes le mercredi 1er janvier 2019. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là on doit avoir pas mal d'éléments. On va sortir des bestiaux. Hop, un minitérium, je sais pas s'il est petit, faut s'en occuper. Il est 14-4, c'est bon. Alors là, nous avons un petit loup, ça y est, niveau 210, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà, prix de Zoto, 210. Donc il a déjà gagné un niveau. 415 data, peut-être lui mettre un petit peu plus de vie. Voilà. Allez, on va le mettre en crayon, le monsieur, là. Ah, c'est un bon petit loup. Gagner des niveaux comme ça pour faire les grottes, ça sera nickel. Ouais, on va le mettre là-dedans. J'ai un œuf de deg là. Allez, un œuf. Il faudra que j'aille chercher les artefacts. Là, nous avons donc. Je ferais bien des bottes. Ah, elle a mis le trophée du Kong. Ça y est, on l'a eu. Hein. On a eu le trophée du Kong. C'est quoi ça? Oh là, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'art contemporain là que tu nous fais, Patou là? Oh, elle est bizarre. Hein. C'est Terminator. Terminatrice. C'est Terminatrice. Oh là. C'est une main ou c'est les pieds ça? Oh, c'est une main. Ah, tu fais quoi, ma puce hein? Tu nous fais la danse du Mallwatch, quoi? Bon, enfin, bref. Salut, Rara, comment va? Salut, Nat, comment allez-vous? Bien? Je suis en train de me fichtre de la goule de mon épouse, là. Elle a fait le Moonwalk. C'est Terminatrice, tu vois. Bon, enfin, bref. Ça va, tranquille, tranquille. Bien, bien, bien. Ah, je vais chercher de la viande. Je vais remplir ma gourde polymère, il faudrait que j'en refasse une pour Gaston, il est mort deux fois dans le singe je crois, donc c'est pas très bon tout ça, il va falloir s'améliorer. Voilà voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée hein, comme d'hab. Ensoleillé, hein, j'espère que vous avez du soleil comme nous, c'est bien, impeccable. Voilà. Alors, voyons voir la même chute. On prend un peu de même chute. Je sais pas s'il y en a là. Non, il n'y en a plus là. On va aller voir dans la mangeoire. Bien. Salut crocodile. Patou, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Elle nous fait la terminatrice là, en ce moment. Là. Elle va pas tarder à se connecter normalement. Bon, voilà, il y a de la viande, c'est bon. La viande cuite, bah, j'en ai là. Impec bien, voilà. Hop, hop. Viande crue, là, on va. Voilà, on va lui refaire une petite beauté à la viande crue, là. Voilà. Ah, ça en fait moins, là. Voilà, comment allez-vous? Bien. Bon petit mercredi, là, sympa. D'habitude, vous bossez, je pense. Allez, on ouvre les portes. Voilà. Bon, moi, il faut que je récupère tout mon matos. Il va falloir que j'aille dans les grottes. Alors, les grottes, c'est où? Ça, c'est les croquettes. Ça, c'est les bosses. Ça, c'est les selles. Ça, c'est les grottes. Voilà. Ça, c'est les habitecs. J'ai la grotte de la bête. Je vais refaire une petite fiche. Parce que maintenant, on va faire que du Kong. On va laisser l'araignée gamma. Grotte bête. Donc, c'est la 5310. Hein, c'est ça, de mémoire. Je l'ai fait tellement. 5310. Donc, il faut le basilo. Hein.
Voilà, bah, Zillow, c'est tout. Hein. Bah, Zillow, donc tout ce qui va avec, hein, les bouteilles rouges, qu'on s'appelle le Lazarus, etc., etc. Voilà, donc mode bête, et puis l'autre, c'est le dévoreur. Alors, le dévoreur, je ne sais pas trop où c'est. Il me semble que c'est ouais, l'île carnivore. Hein. Il va falloir que j'y aille. Dévoreur. J'ai tenté de miauler ce matin pour avoir mon petit déj joli. Ça pas... Ah, ça n'a pas marché, croco. Ah, ben moi, je l'ai eu ce matin, mon petit déj joli. Ouais, elle s'est levée avant moi. Ouais, et j'ai pas besoin de faire le chat. Eh ouais. Au fait, l'astuce que tu m'as dit hier avec le basilic pour tuer le calamar, ça marche pas tout. Ah bon? Bah, si, à part si t'as un basilot niveau 20, mais si t'as un basilot minimum niveau, je sais pas, moi, 180, c'est impeccable. Hein. Ah ouais, moi, j'ai épousé une perle, le crocodile. Eh oui. Moi, je dis pas que t'as pas épousé une perle, hein. Attention. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. J'ai pas envie de me fâcher avec Madame Crocodile. Hein. Attention. Hein. J'en ai tué deux. Ah, aucune perle! Quel est le niveau 100 environ? Ah oui, non, tu les as tués, mais tu n'as pas eu de perles! Non, je rigole, c'est pour Crocodile qui se marre. Hein. Je me fous pas de toi, hein. Attention, hein. Que je sois bien d'accord. Ah, pourtant, les 35 perles. Ah, faut que je regarde la vidéo. Faut regarder la vidéo. Hein. Il n'y a pas longtemps. Je peux pas dire laquelle que c'est. De toute façon, non, elle n'est pas sur YouTube. Une rediffusion de Twitch, hein, il y a une semaine peut-être alors. Mais je suis certain que les 35, je les ai eus dans la pieuvre. Hein. As-tu fait les écrevisses, Radamant? Ah, moi, j'ai pas envie de dire des âneries. Hein. Vous essayez, vous me faites confiance, vous le faites, ça marche pas. Donc j'aime pas moi ça. Non, t'en as pas trouvé, d'accord. Ils sont vraiment dans le fin fond, sur le sable, hein. Vraiment au plus profond et au plus loin de la côte. Hein. T'en as pas trouvé. Non, là, t'es sûr, tu vas en avoir, hein. Ça c'est obligé. Le trilobite, c'est pas tout le temps qu'il en donne. Les écrevisses, oui, t'en donnes au moins une. Et ça peut aller jusqu'à 5. Ah non, 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 il meurt pas facilement. Alors écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais sortir mon basilo et je vais te montrer. On fait comme ça, Ra? Hein, de toute façon, il m'en faut des perles noires pour faire mes bottes de moto avec Brigitte Bardot. Hein, on fait comme ça, voilà, comme ça, on va être sûr. Hein, parce que les paroles, les paroles, les paroles, et toujours les paroles. Hein, les paroles, voilà. Donc là, on va mettre en action. Ouais, ok, il n'y a pas de problème, Ra, il n'y a pas de problème. Je vais consacrer du temps pour Ra, hein, d'accord, les amis? Allez, on fait comme ça. Je vais le faire de suite. Par contre, je vais me préparer quand même. Hein, je prends du Lazarus. Je vais prendre le basilot, ça va aider. Voilà. Allez, on y va tranquille. Hein. Voilà, je prends un basilot, le niveau 172, et là j'ai le niveau 29. Bon, je vais prendre le niveau 29. Allez, je vais voilà. On va prendre le niveau 29. Ça, c'est bon. Ensuite, du Lazarus. Voilà ce que je prends. Après, tu prends ce que tu veux aussi, toi. Hein. Lazarus, c'est que tu peux. Tu as une meilleure oxygénation sans tes bouteilles. Ça évite d'abîmer tes bouteilles. Bouteille rouge, et si je me fais tuer. Voilà, j'en prends 5. Lazarus, je mets là. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je suis habillé comment moi? En fourrure, non? Ouais, je suis en fourrure. Bon, je vais rester en fourrure, ça change pas trop. Donc ça, j'ai l'épée, ça suffit. Allez, hop, on y va. Ça me suffit, ça. Le GPS, non, on n'a pas besoin. Voilà, on y va. Là, donc je vais lancer ma cryo. Hop, je vais la mettre dans la main quand même. Voilà. Donc je vais avoir pas mal de niveaux à mettre au basilo. Ok. Ouais, c'est quand tu veux, tu y vas. Voilà, ok. Il n'a pas de nom, c'est quoi? C'est un mâle, c'est une femelle, on va lui donner un nom. Créature, changer son nom, hop là, allez. Radamanta. Hein? Radamanta. Ra-a-da-manta. Da-man-ta.
Manta, c'est une femelle. Hein. Quand il y aura un mâle, il y aura Radamanta, Damanto. Pourquoi j'ai mis deux? Attends. Radamanta. Voilà. C'est pas évident. Attends, là, je me noie. Là. Radamanta. Attends, là, je me noie, là, c'est bon. Ensuite, je vais voir le Basilo. Je vais sûrement avoir pas mal de niveaux. On va mettre 39 niveaux. Bon, bah, c'est bon. Attaque. Allez, on va mettre un peu d'attaque. Hein, qu'il puisse quand même. Voilà. Et vie. 10 niveaux de vie. Voilà. Donc, je l'ai monté à combien là? Il est à 7000 et 232 d'attaque. Bon. Ah. Voilà. Donc, je monte dessus. Hop. Il a une selle, non? Il a pas de selle? Attends. J'ai pas de selle. Bon, je vais chercher une selle. Parce que sans selle, tu vas pas très très loin. Attends, je le mets en passif. Accès à inventaire. Non, c'est pas l'inventaire. Autre option. Il est en passif, donc c'est bon. Allez, je vais chercher une selle. Hop, hop, hop. J'espère que j'en ai. Basilo, écus, donc c'est B, argent, écus, j'ai pas de basilo, sérieux, si, basilosaur, voilà, c'est bon, j'en ai une, ça tombe bien. Pas ton armure de plongée, ah oui, t'as raison, ma plongée, t'as raison, ça l'a fait terminatrice, là, Patricia, vous voyez, elle est moitié fondue, là, viens voir ta tête. Tu fais terminatrice là. C'est ton personnage. Tu fais une moonwalk. Regarde, regarde tes doigts, ils sont là, tes doigts. Regarde. T'es à moitié fondu là. Tu fais une danse contemporaine là. Bah, je pense pas, non. Bah, non, je peux accéder à ton inventaire même si t'es pas morte. Hein. Les bouteilles de plongée et les palmes, ouais. Toi, j'avais complètement oublié, dis donc. Voilà. Allez, on y va. Bon, je vais pas faire la pieuvre. Hein. La pieuvre, mais les écrevisses, je vais te voir. Je vais te faire voir. Hein. Ça, c'est clair. La pieuvre, je suis un petit peu. Pas très, très. Blindé, on va dire. Donc, ça, les pales, je prends Lazarus. Voilà, Lazarus. Non, j'ai pas pris. Bon. Faut que je sois sur le basilo. Alors, il faut que je mette la selle. Voilà, ça y est, c'est bon. Je prends la selle. Je prends mon Lazarus. Et j'enlève les bouteilles. Comme ça, ça. Voilà. Allez, on y va. Allez, on y go. Hein. On refait un fond. Hein. Oh, faut que je fasse gaffe parce que par là j'ai Mosasaur Alpha et Pieuvre Alpha. Hein, donc faut que je dégage, hein, vite fait. Hein. Donc tu regardes la vie, hein, tu regardes la vie de mon Basilo. Il a pas d'énergie, dis. Laisse tomber. Dis. L'énergie de prout qu'il a. Dis. C'est quoi ça par... J'ai des raies. Ok, c'est bon. Ah ouais, son énergie, il défile à une vitesse, laisse tomber quoi. Wow. Ça craigne au sang. Voilà, donc là c'est pas assez profond, hein. On va descendre encore plus. Hein. Voilà, tu vois, là il commence à souffrir, tu vois, il est trop profond pour lui. Hein. Regarde la vie elle descend que très 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 peu. Voilà, donc là on arrive à du sable, tout au fond, voilà, ils sont par là les écrevisses. Hein. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent eux là. Bon attends, eux ils veulent un petit coup de boule. On va leur donner des petits coups de boule. Il fait 109 de dégâts, bon, pas terrible, on se barre. Là il y a des. Je vais faire un strike. Un petit peu les personnes qui sont autour là. Voilà, ça y est. Ah, purée, l'enfant, pas fait. Vas-y, je me barre. Nos Azor Alpha. Je me barre. Je reste pas.
fois-ci, je reste pas. J'essaie même pas. C'est pas la peine. Purée, il est derrière encore. Et puis j'ai plus d'énergie. Ça va, il est parti. Il est parti. Ouais, pas de chance. Non, mais il est toujours par là. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer. Il n'y a pas de soucis. On va aller un peu plus loin. Allez. Oh purée, il est là. Purée, il est encore là. Au fond. Tiens, retiens. Voilà. Ah, il est en bas là. Gazor. Bon, je remonte un peu, sinon il va m'attaquer. Alors, on va aller plus loin. C'est un petit petit basilosaure que j'ai pris. Hein. J'aurais peut-être dû prendre le gros. Alors voyons voir. Là, c'est par là. On va aller par là. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, on va plonger. C'est plutôt bon. Ok, je vais manger un peu. Hein. Allez, on plonge. Salut News, comment vas-tu? Bien, bien. Oh purée, il est là encore. Mais attends. Oh, j'ai plus de... J'ai plus d'énergie. Dépêche-toi, il est en bord. Ça va, il m'attaque pas. Il est où? Il est là. J'ai la bêta idée. Vas-y, on va essayer de se partir. On va se caper. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas vu. Faut que je fasse attention. On va essayer de s'en écarter encore plus. Là, je fais pas le poids, on fait pas le poids, ça c'est clair. On va aller par là. Juste pour te montrer les écrevisses. De toute façon, il m'en faut des perles noires, donc. Pour le prochain niveau, je vais mettre de l'énergie à lui. Hein. Merci pour ton gling gling loon. Être un follower, c'est trop petit, je vois pas. Allez, c'est bon, là. Ça va être bon. Là. Ah, ça, je suis à la limite. Allez, bon. Faut vraiment aller à la limite, Ra. Hein. C'est quoi ça? Ah, il est encore là. Attends, il me suit de partout lui. Non, je vais remonter parce que là ça va être trop dangereux. Je comprends pas là. Eh oh. T'es fou ça. La baleine. C'est une baleine alpha en plus. Il est parti. Allez, on va replonger.
Apparemment, il n'est plus là. Hein. Voilà, là, il commence à souffrir le basilo. Mais regarde la vie, elle descend pas vite, la vie. Hein. Je vais te faire voir l'inventaire. Voilà, tu vois la vie, là, 7000. Tu vois, regarde, voilà, ça descend de... un par un. Voilà. Il perd un par un la vie. Hein. Donc c'est vraiment. Ah, si t'en as 7000, t'as le temps de rester au fond. Hein. Ah, tu m'étonnes. Si tu joues en radeau, la baleine doit se faire une fou de joie de te dégager. Hein. Surtout l'alpha, hein, ça va plus vite que le radeau en bois. Hein. Après, t'as le radeau à moteur. Hein. Bon, voilà, normalement, les écrevisses par là, hein, sur le sable. Hein. Donc on va. Voilà, tu regardes s'il n'y a pas, tu longes, voilà, tu longes la barrière comme ça là. Voilà, mais c'est au fond, hein, tu vois, regarde la vie là, il descend pas vite, faut pas avoir peur hein, de faire blesser ton basilo parce qu'il est en bas. Hein. Ouais, mais ça descend de 1 en 1, tu vois, donc c'est pas méchant. Hein. Donc là je cherche les écrevisses. Tu vois, je peux rester. En même temps, je suis pas vraiment rassuré quand je suis... Ouais, bah c'est sûr, tu faut regarder autour, hein, souvent. Hein. Bon, c'est surtout la pieuvre alpha et le mogazor alpha. Hein. Mais t'as rien à craindre pour le basilo, hein. Regarde la vie tranquille, hein, franchement. Hein. Voilà, donc tu longes le sable et obligatoirement tu vas en trouver. Hein. Des fois, t'en vois une dizaine, là tu ramènes pas mal de perles. Hein. C'est ce qui m'est arrivé l'autre fois. Mais une fois, j'en ai eu 35 d'un coup et il me semble que c'était la pieuvre. Hein. Je regarde la vidéo. Bon, là, ça passe là. Ouais, ça passe là. Donc, je fais pas trop trop loin. Ah, c'est quoi là? Attends. Oh, putain. Non, c'est pas ça. Ah. Quand c'est comme ça, faut que je remette. Ça, voilà. Je vais garder ma bouteille. Là, c'est un trilo. On va pouvoir faire un trilo. On va voir. Hein. Voilà, le trilo, t'en as au fond aussi. Hein. Il est là. Bah, tu le pètes avec le basilo. Hein. Évite de sortir trop de ton basilo parce que si tu as des trucs électrocutes, là, voilà, là, j'ai que dalle. Là, j'ai pas eu de perles. Les trilos, c'est pas tout le temps qu'ils t'en donnent. Hein. Les écrevisses, oui. Hein. Attends, faut que j'en trouve là. Attends. Fasse voir. Je vais aussi regarder sur un dé. Apparemment, ça doit donner. Ah, d'accord. Ah, parce que t'as pas eu de peau. Hein. T'as pas eu de peau sur ce coup-là, mais continue à les faire. Hein. Là, je peux la faire. Hein. Là. Oh, le mégalodon, il n'y a pas de problème, hein. Même si c'est un petit niveau, le basilo, pas de problème. Voilà. Par contre, les écrevisses, oui, là, tu es obligé d'en avoir, hein. Ça c'est clair. Et faut en trouver, hein. Faut en trouver. Là, ça court pas le sable, là, en ce moment. Voilà, attends, là, tu vois, là, il n'y a pas de problème. Allez, venez là. Aussi. Oh, je donne des petits. Ah, 71. Voilà, depuis le temps que je suis sous l'eau, la vie elle a pas très très bonne. Très très bien hein, diminuée. Hein. Donc t'as un écran, non? Tu peux rester. Hein. Bon,
ils sont où là les... Ah voilà, regarde. C'est quoi ça? Ah non, c'est un trilo. Je croyais que c'était une écrevisse. Oh purée, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Je vais peut-être remonter là. Là je remonte parce que c'est un petit niveau. Hein. J'ai pas beaucoup d'énergie en plus. Voilà. Ils ont lâché l'affaire. Hop, ils sont trop en plus. Comme ça. Alors là, ils me dégagent bien là. Voilà, je suis à moitié de vie là. Là. Je crois que c'est bon, ils ont lâché l'affaire. Ils aiment pas la surface ces machins là, les plésiosaures. Hein. J'ai un dent kilo là, il va me prendre le chou lui. Je suis là. J'arrive à la neige. Allez hop, on y retourne. J'espère que je se mets les plésios. Allez, bon. Allez, on va enfin au fond. C'est quoi ça? Ah, une pieuvre. J'ai une pieuvre. Voilà. Beaucoup de... J'ai pas envie de la faire parce que j'aurais l'autre Basilo. Ouais, j'aurais dû prendre le gros Basilo. Je suis bête. Ça, j'aurais fait la pieuvre et je t'aurais montré. Voilà, si je déconnecte là, je suis mal. Hein. Le Basilo pour aller chercher l'artefact de la bête, c'est tout, hein. C'est pas pour faire une randonnée avec celui-là. On va aller encore plus profond. Là, je suis dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai pratiquement jamais été par là, moi. C'est quoi ça? Encore un. Perle noire, hein. Non. Ah, une perle noire, j'ai eu, tu vois. Là, j'en ai eu une, mais bon. Comme il t'en faut beaucoup, je pense pas que tu vas perdre ton temps avec les trilos. J'en ai pas eu. On va descendre encore un peu plus profond. Salut Sayen, comment on va? C'est un kraken, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. On va essayer de faire attention. Alors, c'est juste quelques petits écrevisses là pour te montrer, et puis c'est bon. Sur le sable hein, qui sont ah, là, il n'aime pas la profondeur là, ça y est, je
regarde autour de moi. Il n'y a pas de danger, non? On va peut-être en trouver là. Là-bas, c'est une tache sur ma télé. Bon, on va continuer par là. Voilà. Allez, bouge-toi. Voilà. Bizarre, j'en trouve pas là. Ça se fait ça. Non, normalement, j'en trouve. C'était un coup de peau alors que j'avais. Bon, là, je suis parti vraiment dans le nord. C'est rare quand je vais dans ces eaux-là. Je fasse attention par contre s'il y a des alphas, des gros trucs. Là, c'est quoi ça? C'est un trilo. Voilà, ça, j'ai une perle noire, j'ai eu. Ouais. C'est fou ça. Cette histoire. Salut Angelo, comment on va? C'est une règle de vie, ça veut dire quand tu veux montrer un truc, ça c'est clair. Hein. Pourtant j'en ai eu plein si vous m'avez suivi l'autre fois. C'est fou ça. Il y en a plein qui courent avec leur pince en l'air là, les écrevisses, et là j'en vois aucune. Ça se fait ça. Par contre je fais gaffe qu'il n'y a pas de gros poissons là. C'est un truc de malade quand même. Attends. Je lâche pas la ferme, hein. J'y vais jusqu'où. Alors là je les fais pas parce que sinon ils m'attaquent, non? Ah, ils vont mettre leur phéromone sur moi là, il y a tous les animaux, ils vont venir sur moi, laisse tomber, là. Faut que je fasse gaffe. Oh purée, arrachage, allez vite, il faut que je remonte. Merci pour ton follow, ça va tranquille, ouais ouais. Ouais c'est ça, hein. Il y en avait 10 au mètre carré, là. C'est tout à fait. Hein. Et là, impossible de... Où je suis là, si j'en fais demi-tour ou si je fais le tour de la carte, je sais pas, je vais voir. J'ai vraiment pris un tout petit basilo. Je suis où là? Waouh! Ouais, je suis tout là-haut. Là. Ouais, donc on va redescendre hein, maintenant. On va redescendre. Donc merci de m'avoir suivi, rendez-vous au prochain épisode, ça fait déjà 34 minutes, disons. Allez, ciao, bye bye.